c'est l'heure de me brosser les dents. Ouais, j'adore m'amuser avec le dentifrice. Oh non, il en a mis partout. Bon, au moins il se brosse les dents. Mais il faut que je résolve ce problème. Je vais mettre des points de dentifrice dans ce copiste. Regarde, chérie, prends ton dentifrice ici plutôt. Incroyable! Je peux me détendre avec mon thé. Maman! Maman, regarde! C'est aujourd'hui le grand jour! Oh, mon peignoir est sale maintenant. Bon, viens, mon chéri. On va faire en sorte que tu sois sur ton 31. Allez, on va à la crèche? Maman! Il pleut! Bon, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ne pleure pas, chérie. Regarde, voilà le parapluie. Oh, c'est vrai, il a été frappé par la foudre. Je veux aller à la crèche! Attends, attends! Où sont mes mouchoirs? Attends une seconde. Le rideau de douche! C'est la solution! Alors, je vais commencer par le plier comme ça. Maintenant, je vais avoir besoin de mes bons vieux ciseaux. Je vais découper le coin du rideau. Bon, maintenant mes pièces sont prêtes. Maintenant, je peux utiliser mon lisseur à cheveux en faisant attention. Et voilà, ça devrait être bien collé comme ça. Tada! Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes ma nouvelle parka? Ouais! Et j'en ai aussi fait une pour toi. Comme ça, on peut aller à la crèche en restant au sec. Bonjour, ma chérie. Hein? C'est qui? J'ai besoin de mes lunettes. Viens, il est l'heure de se lever. Oh, salut, papa. Allez, on va se brosser les dents. Mange toutes tes céréales. Comme ça, tu deviendras forte et intelligente. J'adore les céréales. C'est bon, tu es prête à aller à l'école. Oh, on va faire tes lacets pour que tu ne trébuches pas dessus. Oh, oulala, tes cheveux sont tout emmêlés. Ouf, un élastique. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ça va, un truc comme ça? Non, c'est moche, papa. Bon, d'accord, on va essayer autre chose alors. Ça serait beaucoup plus facile si tu arrêtais de bouger. Attends, en fait, continue de tourner. Bravo, chérie, continue. Et maintenant, il ne va plus me rester qu'à mettre l'élastique. Waouh, on dirait une corne de licorne. Entrez. Papa! Ouais! Oh, c'est ma petite princesse. Tu as passé une bonne journée à l'école? Viens, assis-toi pendant que je termine. J'ai presque fini, donc tu ne vas pas attendre longtemps. Je m'ennuie. J'ai presque fini. Oh! Oh non! Elle est passée où? Pfiou. Sors de là-dessous! Maintenant, sois gentil et ne bouge pas. Les enfants, ça représente beaucoup de travail. Attends, c'est quoi ça? Oh non! Arrête! Arrête! C'est le travail de papa! Maintenant, tu restes là. Mais je m'ennuie! Bon. Et ça? Tu veux jouer avec mon téléphone? Ouais! Un écran! Il n'y a pas de batterie! Oh non! Mon fil de chargeur est cassé! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, je peux peut-être faire quelque chose avec cette coque de téléphone. Alors, je peux prendre cette serviette et maintenant, je vais remplir la coque en plastique de colle. Ça devrait suffire. Je vais sceller ça avec un fer à lisser. Je vais mettre ça dans la coque et maintenant, je vais aussi mettre ce cadre à paillettes. Génial! Maintenant, elle peut jouer avec. C'est sûr qu'elle va l'adorer. Tiens! Mais non! Il y a des fleurs roses là-dedans! J'adore dessiner! Maman, j'ai dessiné une voiture! Il me faut plus de papier! Oh, d'accord, mon chéri. Tiens,
Je vais dessiner un soleil violet. Il me faut plus de papier, maman. Tu en utilises beaucoup. Mais d'accord, tiens. Oh oh! Il n'y a plus de papier. Désolée, chérie, il n'y a plus de papier pour dessiner. Oh non! Ne pleure pas, ça va aller. Je sais ce que je peux faire. Il va me falloir ce bout de carton. Et maintenant, je vais faire un dessin dessus. C'est de moi qu'il doit tenir ses talents de dessinateur. C'est bon, j'ai terminé les dessins. Et maintenant, je vais le plastifier avec du gros scotch. Voilà, il ne me reste plus qu'à le plier. Hé, chérie, regarde ce que j'ai. Tu veux colorier cette tortue? Tu vois, il faut faire comme ça. Mais tu peux la colorier autant de fois que tu veux. Incroyable, non? Trop bien! Donne-le-moi! Je vais colorier ce cheval. Alors, chérie, on va visiter ta nouvelle salle de jeu. Plutôt sympa, hein, non? Dis donc, il y a plein de choses là-dedans. Oh, oula, il y a aussi beaucoup d'endroits dangereux ici. Non, chérie, tu restes là. Là, ne bouge pas. Papa va tout protéger. Il faut que cette pièce soit sans danger. Je vais recouvrir tous ces angles pointus. Comme quoi, le scotch peut être bien utile. Phew, c'est bon. Je crois que tout est protégé. C'est beaucoup d'effort. Alors, chérie, tu veux jouer maintenant? Ah! Aïe! Aïe! Je suis tombée! Ouais! On peut jouer! Attends, ne bouge pas! Oh, c'était moins une. Il faut encore que je scotche 2-3 trucs. Je vais juste coller une bande ici. Et maintenant, je peux coller le tapis dessus. Voilà! Comme ça, il ne bougera plus. C'est bon. Tu peux aller t'amuser. Ouais, une salle de jeu. Phew. Oh, bonjour, princesse. Elle est trop mignonne. Je vais la garder pour plus tard. J'ai faim. Papa, j'ai faim! Oh, d'accord! Tiens! C'est bon, j'ai fini! C'est trop bon, le chocolat! Ah oui, ma sucette! Mais, c'est tout dégoûtant! Ma sucette est fichue! Oh là là! Ne t'inquiète pas! En voilà une nouvelle! Hein. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Ça colle parfaitement. Regarde, voilà une toute nouvelle sucette pour toi. Tiens, tu prends celle-là. Phew. Je vais garder celle-là pour plus tard. Je vais jouer avec mon ballon de plage. Oh là là, ce film est tellement captivant. Oh, oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oh, oh, maman, je m'ennuie, ce film est nul. En voilà de longs cheveux, ça me donne une idée. D'abord, enlève la coque de ton téléphone et place une mèche de cheveux par-dessus. Ensuite, il suffit de remettre le téléphone dans sa coque. Et hop, le tour est joué.
Génial, c'est ma vidéo préférée. Tu n'as qu'à regarder des vidéos pendant que maman finit le film tranquillement. Waouh, j'adore aller au parc, c'est génial. Oui, le temps est idéal aujourd'hui. Parfait pour une journée au parc. Tiens, comme tu as été bien sage, je t'ai pris une petite sucrerie. Youpi, une sucette. Merci, maman. Je peux aller jouer? D'accord, amuse-toi bien. Mais fais attention, d'accord? Bon, par où commencer? Oh non! Une abeille! Va-t'en! Elle veut me voler ma sucette. C'est pas pour toi. C'est pas pour les abeilles, ça. C'est ma sucette à moi. Oh non, elle veut m'attaquer! Au secours! Ah! Va-t'en, méchante abeille! Ah! À l'aide! Je vais t'avoir. Tu ne perds rien pour attendre. Oh non! Ouf, j'en peux plus. Les abeilles sont trop rapides, mais je le suis encore plus. Aïe! Mon doigt! Hey, salut! Ah! Oh non, maman! Oh, ma pauvre petite chérie! Maman, j'ai une écharpe dans le doigt! Ne t'inquiète pas, je vais l'enlever. Aïe! Oui, non, ça fait trop mal! Oh là là! Bon, attends, je vais voir ce que j'ai dans mon sac. Voyons voir, un papier bof et des pièces pas terribles. Comment faire? Oh, j'ai une idée, je vais me servir des pièces. Ne bouge pas, ma chérie. Et voilà. Ah! Oh, ça y est, elle est partie. Où est-ce qu'elle est passée? Je viens juste de la retirer, regarde. Youpi, merci maman, t'es vraiment la meilleure. Ah! L'abeille est de retour, cours! Ah! Est-ce que les crottes de nez ont une odeur? Apparemment pas. Chérie, je suis rentrée des courses. Est-ce que je t'ai manqué? Bon, je vais ranger tout ça. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Est-ce qu'il y a des bonbons ou des chips? Oh waouh! De la pâte à tartiner au chocolat, il n'y a rien de meilleur. J'en veux, je vais aller en piquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oups! Bien, il ne me reste plus que deux ou trois trucs à ranger. Des pommes, je vais mettre ça là. Tiens, Lizzie, tu m'as fait peur. Ah, tu veux ton goûter, c'est ça? Tadam! Est-ce que c'est ça que tu cherches? Oui, j'adore la pâte à tartiner, merci maman. Oh, elle est tellement mignonne. J'adore quand elle... Oh, miam miam, c'est trop bon! J'en veux encore! Oh, quelle horreur! C'est pas possible! Il faut te débarbouiller! Ne bouge pas, Lizzie! Je vais enlever tout ce chocolat de ton visage et te mettre un t-shirt propre! Et voilà, j'ai aussi enlevé ce que t'avais dans les cheveux! Cette petite se salit tellement vite! Heureusement que je suis intervenue avant que... Oh, miam miam! Qu'est-ce que... J'avais le pot dans la main il y a 2 secondes! Oh. Bon, ne bouge pas, je vais te débarbouiller encore une fois! Et voilà! J'en reviens pas! Deux nettoyages en si peu de temps, comment c'est possible? Oh, mais attends, je crois que ce sac pourrait m'être utile. Donne-moi ça, chérie. Tiens, enfile ce sac. Et voilà, maintenant passe tes bras dans les ouvertures. Pourquoi est-ce que je dois porter ça? Oh, génial, de la pâte à tartiner! Miam, miam! Oh là là, elle est vraiment terrible. Mais au moins, maintenant, elle ne se tâche plus. Je vais couper ces tomates cerises en morceaux. Maman, regarde, je me suis habillée toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ma chérie, tu es magnifique! Est-ce que tu pourrais me prendre en photo, s'il te plaît? D'accord, ne bouge pas. Maintenant, fais-moi un beau sourire. Superbe! Maintenant, prends une autre pose. Oh, tu es trop mignonne sur ces photos. Viens voir. Oui, montre-les-moi! Elles sont très réussies, tu ne trouves pas? La petite merveille à sa maman. Hein? Pourquoi? Comment? Je ressemble vraiment à ça? Oh non, Lizzie, il faut que je trouve quelque chose pour la consoler. Du maïs. Mais bien sûr, j'ai la solution. Lizzie, viens voir 2 secondes. Je vais placer le maïs comme ça. Tiens, Lizzie, mets-toi en face et mets tes bras comme ça. Très bien, je vais régler le retardateur. Tu es prête? Souris. Du raisin géant. Et là, un ananas géant. Viens voir, Lizzie. Jette un coup d'œil à nos nouvelles photos. Waouh, elles sont excellentes. Merci, maman. Il est temps de faire un selfie. Voyons voir ce que ça donne. Oula, je ressemble vraiment à ça. Je ne vais pas poster ça. Ouh, allez, il est temps de se mettre au travail. Nous avons un léger problème qu'il nous faut régler impérativement. Oui, je comprends. Je pensais qu'on pourrait résoudre ça aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe?
Mon ordinateur fait des siennes. Oh, hé, vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à me voir? Oh, génial, fallait que ça tombe sur moi, surtout aujourd'hui. Et si je le mets en l'air, est-ce que ça capte mieux? Oh non, cette réunion est super importante et je vais la manquer. Maman est occupée, je vais essayer de filer en douce avec mon goûter. Hein? C'était quoi, ça? Oh, coucou, maman. Je ne fais que, eh bien, pas grand-chose, en fait. Oh non, elle va me confisquer mon goûter. Un instant, laisse-moi voir. Hey, je peux peut-être résoudre mon problème grâce à cette antenne et cette canette. Mais bien sûr, voilà la solution. Alors, j'ai besoin de cette canette, mais elle doit être vide. Maintenant, je vais la découper avec des ciseaux. Et je l'ouvre. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je place la canette sur l'antenne de la Wi-Fi. Allô, est-ce que vous m'entendez? L'image revient! Incroyable, qu'est-ce que tu portes? C'est un pyjama? Oh non, j'ai oublié que je m'étais pas habillée entièrement. Désolée. Maman, elle est trop drôle. Il faut que j'arrange un peu mes ongles. Waouh, je suis une tornade. Je tourne sur moi-même. Je vais t'aspirer, maman. Je suis une tornade géante. Oh, Lizzie, arrête. Cesse de courir dans tous les sens. Approche, viens t'asseoir à ton bureau. Tiens, voilà de quoi dessiner. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un joli dessin? Enfin, un peu de calme. Je vais pouvoir me concentrer. Mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Oh, c'est pas vrai! Elle en a encore de partout! Bon, il me reste plus qu'à lui retirer ça maintenant. Lizzie, qu'est-ce que tu fabriques? Miam! Mais maman, j'ai besoin de jaune pour mon dessin! J'arrive pas à croire qu'elle arrive à faire autant de bazar en si peu de temps! Et si elle continue comme ça, elle va me rendre chèvre! Qu'est-ce que je peux faire? Oh, des Skittles! Je crois que j'ai une idée! Peut-être que je peux utiliser ce bac à glaçons avec les bonbons? Je commence par remplir le bac à glaçons de bonbons. Par couleur, évidemment. Puis j'ajoute un peu d'eau. Et voilà! Oh, le colorant se diffuse déjà dans l'eau. L'eau commence à prendre la couleur des bonbons. Maintenant, je vais enlever les bonbons et mettre le bac au congèle. Lizzie, ma puce, j'ai une surprise pour toi. Oh, c'est joli! Et en plus, c'est bon! Je vais m'en servir pour terminer mon dessin. Oh, mon bébé, tu es une véritable artiste. Je suis comblée. Merci beaucoup, Lizzie, c'est magnifique. Oh là là, ce film est tellement captivant, je n'en perds pas une miette. Et ces bonbons, c'est la même chose, ils sont tellement bons. Oh, un rose, mon arôme préféré. Oh, c'est quoi, un bonbon? Fais voir. Miam! Donne-les-moi, j'en veux encore. J'adore les bonbons. Merci, maman. Oh, et voilà, plus de bonbons. Il faut que je retourne en chercher. Je vais essayer de trouver autre chose à grignoter. Il faut que j'en récupère quelques-uns pendant qu'elle n'est pas là. Ah, parfait. Oh ouais, encore des bonbons. Merci, maman. C'est une plaisanterie. Cette fois, elle ne me trouvera pas ici. Coucou, maman. Merci pour les bonbons. Oh, je voudrais juste manger quelques bonbons. Est-ce que c'est trop demandé? Il faut que je sois plus discrète, voilà tout. Ouf, on dirait que la voie est libre. Oh, attends voir, je crois que j'ai une idée. Et si je me servais de ce paquet de lingettes? Je suis sûre que ça va marcher. D'abord, j'enlève les lingettes qui sont à l'intérieur, bien sûr. Et j'agrandis l'ouverture en retirant le plastique qui est à l'intérieur. Puis, je verse les bonbons dans le paquet. Regarde ça, c'est pile poil la bonne taille. Enfin, je referme le couvercle. Cette fois-ci, mes bonbons sont bien cachés. Je vais en manger un, tiens. Oh, regarde ça! Ce petit bonbon jaune a l'air délicieux. Trop bon! J'adore ce petit bonbon. Hein? C'est quoi ça? On dirait que la terre tremble. Oh non, c'est elle! Elle arrive! Oh! La voilà! Coucou, maman! Hé, ça sent les bonbons par ici. Est-ce que tu en as? Quoi, moi? Non, pas du tout. Je n'ai que ces lingettes, c'est tout. Est-ce que je peux regarder? Ça n'a pas l'air d'être des bonbons. Tiens, tu peux le reprendre. Oh, je crois que l'odeur vient de là-bas. Ouf, elle est partie. Enfin, un peu de calme. Et quelques délicieux bonbons. Thank you.
À table, les enfants! Votre plat préféré, des pâtes! Tu es sûre que ça va, maman? Miam, miam! Sans oublier la sauce qui va avec! Ça a l'air délicieux, maman! Ouais, pourquoi pas! Mouah! Hé, pas mal! Ravie que ça vous plaise! Et en plus, je n'ai pas à faire la vaisselle! Tu es tellement câlin! Bonjour! Voyons comment tu te sens! Dis ah! Non! Allez, ouvre la bouche en grand! Reculez! Je ne veux pas! D'accord, tu veux voir un tour de magie? Ouah! Ah! Je t'ai eu! Ça marche à tous les coups! Vous m'avez trompée! En effet! Ok, je dois écouter ton cœur! Je n'aime pas ça! Tu peux arrêter? C'est amusant! Ton nounours va bien! Raté! Vous êtes trop lent! Bien, ne bouge plus, c'est parfait! Quoi? Le son est bon, non? Donne-moi ça! 10 années d'études de médecine et c'est ça que je dois faire! Attends, ça me donne une idée. Je vais coller le papillon à mon stéthoscope. Comme ça, il ne lui fera plus peur. Hé, regarde ce papillon. Waouh, il est trop beau. Je crois qu'il va se poser sur toi. J'entends parfaitement. Je ne dois pas bouger. Je l'ai eu. Ah, mes oreilles. Oups, ça va peut-être vous aider. Non, non, ça va, merci. Oh, il faut juste que j'aille consulter un médecin. Allez, ma grande, c'est l'heure de l'école. Voilà ton sac. Merci, papa. Il me faut des chaussures, papa. Suis-je bête? Pas de problème, je vais les chercher. Allons-y. Ça chatouille. Essaye de ne pas bouger. Tu me fais rire, papa. Tu peux me laisser faire? Désolée. Voilà, et maintenant, file à l'école. D'accord, au revoir, papa. Au revoir. Phew. Oh, ce n'était pas facile. Je vais peut-être fermer les yeux quelques secondes. Debout, papa. J'ai faim. D'accord, attends ici. Et voilà, ma chérie. C'est tout ce qu'il te faut, non? Maintenant, je peux me détendre. Qu'y a-t-il maintenant? Ce n'est pas juste, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Il pleut. Je vais être trempée. Pas de problème. Utilise ce parapluie. Merci. Au revoir. Faites que ce soit fini. Wow, c'est un sacré orage. Je ne veux plus jamais aller dehors. Oh non! Mon parapluie est cassé! Non, non! Ça va aller, chérie! Mais... Ah, presque! Je veux juste du temps pour moi! Je devais aller jouer au golf! Attends un peu! Le rideau de douche! Oh, ça me donne une idée géniale! On plie le rideau de douche pour former un triangle... On coupe la pointe du triangle. On place deux parties l'une sur l'autre. On utilise du papier sulfurisé et un fer à lisser pour coller les parties entre elles. Attention à ne pas laisser d'ouverture. Waouh, papa! Ce poncho est trop cool! Il est parfait! Maintenant, je peux sortir. Oui, je suis un génie! C'est incroyable! Je reste bien au sec! Oh! Le soleil! Mais je voulais porter mon poncho! Oh ouais, la la la! Mais qu'est-ce que... Regarde, je suis une artiste née! C'est vraiment génial! Non, pas du tout. Tu dois utiliser les feutres comme ça. Vraiment? Oui, tu veux essayer? Ok, ça a l'air simple. Lance-toi! C'est amusant! Comme ça? Non, on va refaire un essai. Tiens le feutre comme ça, entre tes doigts. Oh, je vois! Bien, à toi! Ce n'est pas facile.
Heureusement que je l'aime. Alors, c'est comment? Pas mal. Mais essayons encore une fois. Mets ta main comme ça et tu dois plier ses doigts. C'est ça. Ça me paraît bizarre. J'ai peur, papa. Continue. J'abandonne. J'ai réussi, papa. Attends un peu. Il me faut cet élastique. C'est exactement ce qu'il nous faut. On glisse l'élastique autour de tes doigts et on forme une boucle en y passant le feutre. Parfait. Essaye maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Je sais. Ne regarde pas, papa. Terminé. Ouvre les yeux. Regarde, c'est nous. C'est très joli. C'est bien, ma grande. Il me faut un café fort. Oh! Depuis quand es-tu là? Bonjour, papa. Coucou. Je veux mon petit déjeuner. Oui, je te le sers tout de suite. Du lait. Oh, c'est amusant. Ça bascule d'avant en arrière. On arrête. Tu ne devrais pas te balancer comme ça. Mange tes céréales et arrête ça. Ne te balance pas sur ta chaise, tu pourrais te faire mal. Mange ton petit déjeuner. Je vais te verser du lait. Trop bon! Tu finis bien tout. Merci, papa. Elle est si mignonne. J'adore les céréales. Et me balancer sur ma chaise. Qu'est-ce que tu as dit? Viens, papa. Ne te balance pas sur ta chaise. Arrête! Non! Trop! C'est trop! Regarde ce gâchis! Oups! Terminez les bêtises! Je passe mon temps à faire le ménage! Où est-elle passée? Elle était là à l'instant! Allô? Attends un peu! Coucou, papa! Il faut que j'y mette fin. Tiens! Ces crochets me donnent une idée! J'aurais dû y penser plus tôt! Je place du ruban adhésif sous les pieds de la chaise. Puis je mets les ventouses sur l'adhésif. Il n'y a plus qu'à retourner la chaise. Mange tes céréales. Hein? Pourquoi la chaise ne bouge-t-elle pas? Elle n'ira nulle part. Très bien, je vais manger mes céréales. Burk, je déteste le café. C'est ton pain propre. Salut, maman. Oh, du soda. Il est bon. Quelles sont ces marques sur ton visage? Quelles marques? Oh, ce n'est rien. Ne bouge pas, on va mettre un pansement. Ça ne fera pas mal. Maman, arrête! Maman, non mais vraiment! Oh, je sais! On pose le pansement sur une surface plane, on dessine sur le pansement. Un dessin aussi amusant que possible. On ajoute un peu de couleur. Elles sont mignonnes, ces chouettes. C'est presque fini. Fini les pansements ennuyeux. Waouh! Ils sont trop beaux. Je vais tous les mettre. Je les adore. Comment me vont-ils? Waouh, ils sont trop cool! Merci, maman! Tu es la meilleure! Voilà pour toi, tête de raisin! Youhou! Des fruits partout! Oui! Une poêle à frire! Je bois dedans! Bim, bam, boum! Oups! L'arbre est tombé! Oui! Je ne supporterai pas ce chaos une minute de plus! Une seconde? Oui! Je vole! Je suis le meilleur papa du monde!
Je peux utiliser ce savon pour laver la vaisselle? Oh, tu veux faire la vaisselle? Bien sûr, ce savon sera parfait. Oh, ça glisse et ça mousse. Elle fait bien beaucoup de bruit en faisant la vaisselle. Je ferais mieux de jeter un œil. Oh, mais quel chantier! Au lieu d'utiliser tes doigts, prends plutôt cette éponge. Non, c'est trop nul, les éponges! Regarde, c'est tout propre, même mes doigts! Attends, je crois que j'ai la solution! Il me faut cette éponge et je vais en séparer les deux parties. Je prends la partie qui gratte et une paire de ciseaux et je coupe des bandes. C'est parti! Ensuite, je prends les gants en caoutchouc et de la colle. Je vais en mettre sur chaque doigt et un peu au creux de la main. Maintenant, je colle l'éponge bien au milieu et je colle les parties vertes sur les doigts. Et voilà, ça fait de magnifiques gants! Olivia, regarde ces superbes gants de vaisselle! Oh! Ils sont jolis! Enfile-en un sur ma main! Oh! C'est trop bien! J'adore! J'en prends un moi aussi! Allez, nettoyons! Je mets un peu de liquide vaisselle sur ton éponge et c'est parti! Prête? Faisons briller ces assiettes! Waouh! Regarde comme c'est propre! Et voilà! La vaisselle est faite! Bon travail! Top là! Oh! Je ne voulais pas… Oh! Laisse tomber! Je voulais juste dire qu'on a bien bossé! Oh! Non! J'ai cassé une tasse! Ah! On dirait que je n'ai pas fini de nettoyer… J'ai soif! Je vais remplir mon verre! Oh! Je n'arrive pas à ouvrir la bouteille! Papa! Hein? On m'a appelé? Je vais aller voir! Qu'est-ce qui se passe? Je veux de l'eau! J'ai soif! Ah oui? Ok, voilà! Je vais remplir ton verre pour que tu n'en mettes pas partout! Voilà, ça devrait suffire! Ouais! De l'eau! Glou glou glou! Ah! Merci papa! Je vais retourner au salon et manger un bout! Papa! Il se moque de moi! Qu'est-ce qu'il veut? J'adore l'eau! C'est trop bon! Papa! Nom de… Encore? De l'eau, de l'eau, de l'eau! Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit si tard! Je suis épuisée! Je vais faire une petite sieste! Papa! Hein? Quoi? Oh, ça suffit! Je dois absolument trouver une solution! Hé! Hey, je sais quoi faire! Allez, je vais juste prendre ce gobelet en carton. Je vais ajouter un peu de déco si je veux que ça fonctionne. Voilà, un bel éléphant. Je prends une bouteille de jus de fruits. Je la mets dans le gobelet. Je fais un trou ici. Et j'insère une paille à l'intérieur. J'ai encore soif et je n'ai plus d'eau. Coucou, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, je vais te montrer. Oh, un verre éléphant! Tu as juste à dévisser le bouchon et le jus coulera tout seul. Ensuite, revisse le bouchon. L'éléphant sert du jus d'orange. Merci, papa. Je t'en prie. Tu peux te servir tout seul maintenant. Plus besoin de m'appeler. Ce jus est trop bon. Hé, papa est parti. J'ai une idée. Viens par là, éléphant. J'ai pas besoin de verre. Oui. Glou, 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 glou. Hein? Attends, où est le jus? Il n'y en a plus! Papa! Bah, je me sens pas bien! Chérie, tu te sens toujours mal? Oui! D'accord, je vais te donner quelque chose pour aller mieux. Hein? C'est un médicament? J'en veux pas, c'est pas bon! Mais Olivia, c'est pour aller mieux! Papa, j'ai plus de jus! J'en veux encore! Une seconde. Une paille, du sirop. Ça peut marcher. Essayons. Je prends son verre. Et je retire le couvercle. Voici son médicament. Je retire le bouchon. Je mets le flacon dans le verre. C'est parfait. Je n'ai plus qu'à remettre le couvercle. Voilà, ça devrait marcher. On va voir. Chérie, je t'ai rapporté quelque chose à boire. Oui, j'ai trop soif. Oh là là, elle boit, ça fonctionne. Eh, je me sens bien mieux d'un coup. Oui, je suis guérie. Merci papa. Oh, je suis contente que tu te sentes mieux, Olivia. Allons jouer, viens avec moi papa. Oh,
Chérie, vas-y quand même doucement. Youhou! On joue à cache-cache? Des livres! J'aime pas les livres, j'ai ton lait. Oh, c'est peut-être pas une si bonne idée. Wouhou! Je coupe les arbres. Yeah! Je suis pleine d'énergie! Je coupe aussi cet arbre! Boum! Oh, quel cauchemar! Je ne me reposerai donc jamais! J'arrive! Qui ça peut bien être? Oh, c'est un colis! Génial! J'adore ça! J'ai hâte de voir ce que c'est! Oh non! J'ai fait tomber ce paquet et il y avait écrit fragile dessus! C'est peut-être pas si grave! Oh, je crois que ce bruit n'est pas bon signe! Une seconde, ça ne me dit rien qui vaille, mais j'ai une idée! Ok, je vais couper le scotch du carton et l'ouvrir. Oh, c'est cassé! Mince! Ça ne me servira plus à rien. Mais le carton, si! Je l'ai peint en rouge, c'est parfait! Ensuite, je prends mon cutter pour le modifier. Je découpe juste une bande comme ceci. On dirait une sorte de ceinture. Mais je n'en ai pas besoin. Oh oui, je vais le décorer un peu. Ces autocollants sont parfaits. Des vélos et des petits cœurs, c'est exactement ce qu'il faut. Je vais le poser ici en bas des escaliers. C'est pas mal. Olivia, viens voir ce que j'ai fait pour toi. Waouh, c'est trop cool! C'est quoi? Des vélos et des cœurs? C'est pour ranger ton vélo. Merci papa. Comme ça, il ne traînera plus par terre. Honnêtement, c'est ma meilleure invention. Oh! Aïe! J'y crois pas! Oh mon Dieu! Ils ont l'air absolument délicieux! Oui! J'en veux un, moi aussi! Voyons voir. Je ne suis pas d'accord avec cet article. Cookies! Bon, il n'a pas tout à fait tort là-dessus. Je vais quand même faire quelques recherches. Mais où sont passés mes cookies? Le bol est vide. Olivia? Coucou, papa. Elle a tout mangé. Bob, mes gâteaux sont bien cachés sous ce coussin. La voie est libre, je peux y aller tranquille. J'ai attendu ce moment toute la journée. J'adore ces petits biscuits au fromage, ils sont trop bons. Je vais remettre mon film. J'ai hâte de voir comment il se termine. Coucou, papa. Oh, des biscuits apéro, j'en veux! Au revoir, papa! Je ne peux jamais manger tranquille! J'en ai assez! Je dois faire quelque chose. Ok, j'ai une idée. Je vais prendre ce couvercle. Je le pose à l'envers sur mon saladier de biscuits. Maintenant, prenons quelque chose qu'elle n'aime pas, comme du brocoli. Je vais en mettre sur le couvercle. J'en mets partout, jusqu'à cacher complètement les biscuits. Encore un peu... Là aussi. Parfait! Je peux retourner à mon film. Ah, je crois que ça va marcher. Papa, je peux prendre des biscuits? Hein? Des brocolis? Burk! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'en veux pas? Non! Ben! Ça a marché! Regardez comme elle a déguerpi! Burk! Je ne veux pas manger de brocolis! Je préfère les biscuits au fromage. Allez, venez par ici. Je vais vous manger. Ah, ça fait du bien. Je l'ai bien mérité après tout. Joyeux anniversaire à moi. Ouais, j'ai réussi. Joyeux anniversaire. T'es la meilleure. Au fait, il est à quoi ce gâteau? J'espère vraiment qu'il est au chocolat. Il est énorme. Miam! Hein? Mais c'est pas du gâteau! C'est quoi, du carton ou un truc du genre? Ça ne se mange même pas! Tu en veux? Eh oh! Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à mes amis? Julie? Pourquoi est-ce qu'elle est en deux dimensions? Tu m'entends? Attendez! Arrêtez de tomber! Non! Revenez! Ah! Hein? Mais c'est mon anniversaire! Je suis toujours moi-même,
Mes mains ont toujours été comme ça? Quoi de neuf, les fêtards? Toi, tu viens avec moi. On va bien s'amuser, tu vas voir. Les choses commencent déjà à s'arranger. C'est bon, tu me vois? Oh, bonjour! Tout d'abord, parlons de l'email de ce matin. Je suis vraiment désolée. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vrai, l'email. Trouvé! Si on examine le graphique 6 juin, on y voit un détail intéressant. Bonjour! Je suis bleue comme le ciel! Hein? Allez, file de là! Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses? Oh, c'est trop ennuyeux. Oui, je comprends. Je sais. Hé, maman? Maman! J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, une petite seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Tu ne veux plus de céréales? Très bien, ouvre la bouche. C'est très bien. Bon, tiens, prends ça. Oh, génial! Mais comment je fais pour le faire tenir? Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Ah, voilà! Oh! C'est quoi ce bazar? Allez là! J'abandonne! Maman, regarde, je peux manger toute seule! Pourquoi ce téléphone ne fait pas ce que je veux? Oh, attends une minute! J'ai une super idée! Il faut juste que je trouve un support adéquat! Allô? Quoi? Oh, donne-moi juste une minute de plus. Il faut que je fabrique un accessoire de téléphone unique. Trace la forme que tu veux au stylo 3D. Dans mon cas, c'est l'idéal pour servir de support de téléphone. Le fait de le remplir ajoute du poids. Comme ça, une fois debout, il restera bien droit. Et les petits détails, c'est pour qu'il soit mignon. Regarde, il est adorable. Hop, je t'emmène. Je suis tellement fière de moi. Waouh, qu'est-ce que c'est? Voilà, ma chérie, c'est pour toi. Vas-y, essaye-le. Hé, ça fonctionne! Maintenant, on peut regarder nos vidéos préférées. Oh, elle adore! Et je vais enfin pouvoir me mettre au travail. Voyons ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Non! La tirelire! Je vais te sauver! Ou pas, en fait. Miam, papa? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est ma tirelire? Tu l'as fait tomber? Non, c'est pas moi! Ce n'est rien, ne pleure pas! Non. Chérie? Papa a cassé ma tirelire préférée! Non, je fais seulement quelques pompes! Je n'arrive pas à le croire! 25, 26! Les accidents, ça arrive, ma puce! Mais je sais ce qui pourrait te remonter le moral! Tu veux voir ce que j'ai pour toi? Commence par prendre un morceau de carton carré et fais une marque juste ici. Et d'autres ici et là. Puis prends un cutter bien aiguisé et suis les marques que tu as faites. Et mets le carré sur la tranche. Tu vois le rabat? Maintenant, coupe un autre carré comme ça. Et place-le sur le premier. Ajoute-en un autre. Dispose d'autres morceaux de carton comme ça. T'as vu? On construit un rectangle. Une fois qu'il est collé, place les pièces précédentes à l'intérieur et mets celle-là ici. Recouvre cette section à l'aide d'un pistolet à colle. Et colle-y un autre morceau. Tu peux le faire coulisser, comme ça. Crée-lui un visage pour le rendre plus amusant. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Pose-la à plat et ouvre le tiroir. T'as compris comment ça marche? Ensuite, prends la pièce que tu veux épargner. Tiens, elle est pour toi, ma chérie. D'accord, j'y vais. Je la mets là-dedans. Je crois qu'elle est tombée dedans. Fais voir. Waouh! Ça a marché. C'est beaucoup plus cool que ma tirelire. Papa, il ne va pas s'en sortir comme ça. Certainement pas. Salut, maman. Alors, on lit le journal. Eh bien, plus maintenant. Coucou. Qui es-tu? Laisse-moi te présenter cette tirelire. Pouf! Un tiroir! N'est-ce pas incroyable? Mets une pièce ici! Oh bon, d'accord! Ça ira? Non, un peu plus! Oh, d'accord! Là, ça devrait suffire! Eh bien, j'espérais un peu plus! Si tu insistes! Voilà, cette fois, ça devrait aller!
Waouh, ça fait beaucoup d'argent. Bon appétit, monsieur Tirelire. Tu veux le voir disparaître? Regarde bien. C'est parti. Abracadabri, abracadabra. Ton argent, jamais tu ne retrouveras. Wouh! Waouh, tu es une vraie magicienne. Alors, tu te demandes où est passé ton argent? Excellente question. Waouh, très impressionnant. Claire. Ça a été un plaisir. Oups! J'avais pas vu que tu étais là, maman. Tu veux que je te la rende? Bon. Tu as mis l'argent de ton père là-dedans? C'est bizarre, on dirait qu'elle est vide. Comment tu as fait ça? Je ne dévoile jamais mes secrets. Je n'aime pas beaucoup ça. Attrape-moi si tu peux. Ce fric est à moi. J'adore le matin. Voilà, c'est bon. Oh, coucou maman. Chérie, je ne t'avais pas vue. Je peux? Tu veux mettre des bijoux, c'est ça? Je ne crois pas, non. Désolée. C'est seulement pour les adultes. Elle se prend pour la chef? Je vais lui montrer qui est-ce qui commande. Excuse-moi. Coucou, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Certainement pas. J'ai dit non, tu te souviens? Mais... Non. Ouf, ça a bien failli. Mais je... Non. Je voulais juste... Ne pleure pas, s'il te plaît. Ouah! Oh non, tout, mais pas ça. Tu n'as qu'à jouer avec... Alors, non, pas celui-ci. Il est beaucoup trop cher. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Peut-être. Non, je ne sais pas. Celui-là? Quelle horreur! Mes précieux bijoux! Wouhou! Les diamants, c'est trop beau! Et grâce à ça, je vois encore mieux! Préparons le dîner! Oui, je sais, je suis magnifique! Ah! Oh non! Je dois y aller! Non, tu ne porteras aucun de ceux-là! Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Mon stylo 3D! Alors, on s'y met? On va se servir de ce mannequin comme modèle! Et ensuite, tu peux créer les formes que tu veux autour du cou du modèle. Ce collier n'est-il pas fabuleux? Toutes ces petites boucles vont le rendre plus solide. Alors, n'est-ce pas fantastique? Une fois que ça a durci, tu peux le porter. Voilà, la taille est bonne. Waouh, je suis superbe comme toi. Merci, maman, t'es la meilleure. Oh! Ouais, je peux l'emmener n'importe où. Wouhou! À plus tard. Oh! Je crois que je pourrais en manger 10 comme ça, surtout avec cette garniture. Je me demande ce qu'il y a à la télé. C'est un élan? Non. Voyons voir. Oh, c'est mon émission préférée. Tiens, une télécommande en liberté. Miam! Hé, qui a changé de chaîne? Ça doit être moi. Mais j'étais en train de regarder autre chose. Non. Voilà, c'est mieux. Ah. Mais maman, je veux regarder mon émission. Youpi, trop bien! Bon, ça suffit maintenant. Oh, arrête de changer de chaîne. Non, non, non. Voilà. Mais maman, c'est pas juste. Dans ce cas, je vais jouer juste ici. Oh, elle est impossible. Je ne peux même pas regarder mon émission. Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh! La 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 la! Hazel, chérie, tu as envie d'une gourmandise? Quoi? Est-ce que c'est ce que je crois? Approche et tu verras. Tiens! Waouh! J'ai jamais vu une tablette de chocolat aussi grosse! Parfait. Oh non! C'est pas possible! Pourquoi? C'est ça que tu cherches? Oh, tu sais quoi, Hazel? J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. Tout ce que je demande, c'est un moment tranquille. Hein? Je vais m'énerver! C'est marrant quand t'es en colère. Tant pis.
j'abandonne. Je serai frustrée à jamais. Voilà. Mais attends, il reste une part de pizza et ça me donne une idée géniale. Mais d'abord, je vais prendre un morceau de carton, place ton téléphone bien au centre, puis ajoute un cadre par-dessus et recouvre le tout de papier coloré. Ensuite, mets des boutons. On dirait une vraie télé! Tu as vu ça? Tu peux même y mettre un interrupteur. Ta-da! C'est terminé! Comme ça, on peut toutes les deux regarder notre émission. Cette histoire est incroyable! Il faut que tu lis ça, chérie. Pousse-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, je m'en vais. Ah, c'est mieux. Arrête de bouger. Wouhou! Il te plaît ce pique-nique, chérie? Oh, attrape! Peut-être plus tard. Hé, regarde mes nouveaux pas de danse! Je les ai inventés toute seule! Personne ne bouge aussi vite que moi! Super! Wouhou! Oula, je commence à fatiguer! Et si tu buvais quelque chose? Non! J'ai pas soif! Bon, j'aurais essayé. Maman, regarde comme je saute! Oh! Tu te rends compte? Je n'en peux plus! Alors, tu lis quoi? Oh, c'est de la guimauve? Miam! Merci, maman! Bon, je vais retourner sauter! Je vous aime énormément, monsieur! Maintenant, faites-moi un câlin! Voilà! Non! Hé, je suis cachée! Chut! Prends une gorgée! Oh! Maman? Coucou, chérie! Bois un peu d'eau! Il fait très chaud! Non! Ah! C'est quoi ça? Chérie, s'il te plaît, bois un peu d'eau! Regarde ça! Est-ce que c'est de la limonade fraîche? Je préfère largement boire ça que de l'eau! Waouh! Elle a l'air délicieuse, tu trouves pas? Maman, est-ce que je peux en avoir? Cette fois, je sais comment te faire boire de l'eau! Et on commence avec un petit morceau de carton! Tu vois comment ce morceau-là est plié? Maintenant, colle-le à cet autre-là pour créer deux cloisons latérales. Et avant d'y mettre ceci, ajoute ce morceau. Bon, revenons-en à la bouteille. Fais un trou dans la bouteille et place-y une paille. Ensuite, fais passer la bouteille dans le trou. Ajoute une jolie pancarte de limonade et tu devrais obtenir cette magnifique machine. Très bien! Voilà notre propre distributeur de limonade. Allez, c'est parti! Ça va sortir par là. Il faut juste remplir la bouteille. Waouh! N'oublie pas de remettre le bouchon. C'est prêt! D'accord, je vais goûter. Il suffit de dévisser le bouchon pour diminuer la pression. Une fois le verre plein, remets le bouchon en place. Plus qu'une chose à faire. Glou, 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 glou. Miam! C'est trop bon! Je peux en avoir encore? Voilà! C'est plein! C'est le plus beau jour de toute ma vie! Miam! Glou, glou, glou! Ah! Encore! Très bien! Ça arrive! Vois, ma chérie! Glou, 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 glou! Miam! Ah! Maman, est-ce qu'il y a des toilettes dans le coin? Il faut vraiment que j'y aille! Allez, viens! C'est si beau! Ils ont l'air tellement heureux! C'est tout ce dont je rêvais! Je m'étais promis que je ne pleurerais pas! Coucou chérie, j'ai des cadeaux pour toi! Je ne veux pas voir ça! Oh, d'accord! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Je suis riche! Oula, ça fait du monde! Bon, tout va bien se passer! Non, je ne l'aime pas! Elle va être trop gênante. La lumière m'éblouit. Allez, 1, 2, 1, 2, 3. Non, je veux que le yacht soit peint en doré et l'avion en rouge. Aïe, ils n'ont peut-être pas remarqué. Mes oreilles, je saigne. Je vous rappelle. Elle est parfaite. Je devrais peut-être apprendre à bien jouer de la batterie. Arrêtez de m'envoyer des objets, ça fait mal! Oh non, il faut que je la sauve! Arrêtez, vous ne voyez pas que cet enfant a déjà assez souffert?
Je me sens si seule et tous les diamants du monde ne permettent pas d'effacer ce sentiment. Allez, tout va bien. N'aie pas peur. Voilà notre maison. Chérie, regarde, il y a quelqu'un pour toi. Elle est magnifique. Oh, j'ai besoin d'aide pour ça. C'est mieux comme ça. L'or est une si belle couleur. Elle fait ressortir notre richesse. Incroyable! Je ressemble à une princesse. Tu es magnifique. Notre famille est au complet. Hein? Y a quelqu'un? C'est sûrement rien. Si, j'entends quelque chose. Ça ne peut pas être le Père Noël. Si. Pas de panique. Discrètement, comme un ninja. Dou 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 di di di. C'est qui ça? Et pourquoi il chante aussi mal? Il faut que je fasse quelque chose. Réfléchis, frappe vite et fort, sans pitié. C'est ce que j'ai appris. Oh là là là. Oh. Ah, oui. Ah, ne me faites pas mal. Quelle belle soirée. Oui. Oula. Maman, papa, un vieil homme bizarre s'est introduit dans la maison, mais je l'ai attrapé. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis un peu votre héros. À l'aide. Je vais faire un malaise. Chérie, je l'ai raté. Et après? Ah, j'ai gagné, encore une fois. Salut chérie, tu vas bien? Salut papa, ça va? C'est bien ma fille. Du papier et un stylo? Pas de ça ici. Voilà pour toi. Oh, un autre casque de réalité virtuelle? Trop bien! Oh, regardez là, les enfants grandissent si vite. Je vais voir comment se porte la bourse. Ouh! Prends ça et ça! Ah, je l'ai eu! Elle s'amuse bien. Attention! C'était moins une. Tu es où? Reviens là. Non, arrête! Ne fais pas ça! C'est un chef-d'œuvre. Il date du 17e siècle. Mouah. Arrête, s'il te plaît. Je l'ai! C'était incroyable! Super réaliste! Je ne te lâcherai plus jamais! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Je crois que je me suis un peu laissée emporter! Mais tu t'es bien amusée! J'adore la musique classique! C'est si apaisant! Je ressens vraiment les émotions de la musique! Solo maintenant? Oh oui! Pas la peine d'applaudir! Bon, d'accord! Je me sens si détendue. Ce bruit! Wow! Rock! Moi! Avec moi, papa! Mais ce n'est pas du Mozart! Papa, pourquoi tu ne joues pas avec moi? Tu sais, ce n'est pas si mal. Je dirais même que j'aime bien. Allez, tu es prêt? Je pourrais être une star du rock. Tu vas bien. Wouh! Vas-y, papa, ouais! Wouh! Ton père se débrouille bien, non? Tu es le meilleur! Choisis ce que tu veux. C'est trop bien! Ah, elle est toute heureuse. Ouh, je veux ça! Tu y tiens vraiment, d'accord. Et ça aussi. J'ai vu mieux. Mais on va les prendre. Mettez-les dans un sac. Et ça. Et l'or, bien sûr. Je crois que c'est bon, papa. Je peux avoir la licorne aussi? Mais elle n'est pas chère. Mais si tu la veux vraiment, d'accord. Trop bien! Un peu de couleur. Parfait, c'est ma plus belle œuvre. Dis donc, c'est un beau tableau. Tenez. Ça a l'air si réaliste. J'ai presque fini. Pardon.
Vous ne voyez pas que je suis en plein processus créatif, là? Ma petite fille aime ce que vous faites. J'aimerais vous embaucher. Évidemment, je paye bien. J'écoute. Vous êtes super douée. J'adore cette musique. Jeune musicienne. Vous voulez que je... Quoi? Oh mon Dieu! Une petite surprise pour ma chérie d'amour. C'est vrai? Bienvenue chez vous. Je peindrai pour vous tous les jours. Et je vous jouerai des mélodies dès que vous voudrez. C'est incroyable. Pfiou! Je ne vous paye pas pour rester debout à rien faire. Faites quelque chose. C'est parti. Qu'est-ce que je peux manger? Ah, ça pue. Je pourrais manger ça. Il faut que je jette ça. Direction la poubelle. Oh, je vais vomir. Ménage, ménage, ménage. Non, stop! Vous ne pouvez pas jeter ça. C'est un pur délice, le bleu le plus raffiné au monde. Très crémeux, mais avec un arrière-goût qui envoie, c'est incroyable. Vous avez des goûts bizarres, mais d'accord. Regarde ce que j'ai fait. Pas mal, non? Goûte pour voir. Mais c'est... Monsieur, le fromage! On a frôlé la catastrophe! Je comprends mieux. Il y a eu un quiproquo. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, mais ils rigolent tous les deux. Moi, mes enfants avaient une vraie licorne à leur fête d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Oh, super, incroyable! C'est sympa de vous voir. Où sont mes amis? Bonjour, mesdames. Moi, j'adore vos diamants. Alors, les olives viennent d'Italie et la viande d'Espagne. Je croyais qu'on était censé s'amuser pendant une fête. C'est pour moi? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur fait quelque chose. Hé, papa? Papa arrive. J'ai une idée. Bon appétit. Au revoir. Ah, ça sent divinement bon. Voilà ce que je voulais pour mon anniversaire. C'est délicieux. Merci beaucoup. Notre première photo de famille. Je veux voir de grands sourires et naturels. Parfait. C'est bien là. Et cette pose. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, ça me plaît. On revient. C'est pas mieux comme ça? J'adore, c'est parfait. Ça rend super bien. Souriez! Oh, c'est toi la plus mignonne. C'est l'heure du biberon. Non, je veux pas. Bon, tant pis. Ça en fait plus pour moi. Et du bon yaourt, peut-être? Bien crémeux. Tiens, ma chérie, goûte. Non. Il faut que tu manges quelque chose. Attends, je crois que j'ai une idée. Je vais prendre le pot de yaourt et ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, je mélange bien. Quelle belle couleur! Ça devrait le faire. Regarde ça, mon ange. Oh, dis donc, c'est bleu. J'en veux. Mange bien tout, princesse. C'est trop bon. Oh, ma petite fille grandit. On va nettoyer ce beau visage. Oh, j'ai raté un endroit. Tu t'amuses bien? Quel garçon intelligent. Hein? Il est passé où? C'est un bébé, il n'a pas pu aller bien loin. Où es-tu? Aïe! Il y a trop de jouets partout. Je ferais mieux de ranger. Tu es là-dedans? Je t'entends. Pourquoi est-ce qu'il est si fort à cache-cache? Tu es peut-être dans ce placard? Stop! Ne t'enfuis pas! Enfin, tu es là!
un câlin à maman. Il faut qu'on t'empêche de t'enfuir. Pour ça, ce parc va être parfait. Essaye un peu de t'enfuir maintenant. J'aurais dû y penser plus tôt. Et maintenant, je peux reprendre ma lecture. Ça fonctionne à merveille. Allez, chérie, ouvre grand la bouche. Non, c'est Burk. Il faut garder ses dents bien propres, ma chérie. Bon, regarde la belle licorne. Oh, maman, fais voir. Attends, c'est une brosse à dents. Tu m'as eu. Oh, je ne peux pas passer la journée à faire ça. Je sais, je vais m'aider de ces cailloux. Pour cette astuce, il te faut des galets décoratifs et une affiche de personnages de dessin animé. Mets de la colle sur les galets et colle-les sur l'affiche. Continue jusqu'à obtenir de beaux sourires. Utilise un feutre pour faire des taches sur les cailloux. On dirait qu'ils ont oublié de se brosser les dents. Chérie, tu veux jouer à un jeu? Il faut qu'on nettoie toutes les taches des dents. Oula, maman! Leurs dents sont super sales! Regarde, maman, j'y arrive! Elles sont toutes propres maintenant! Je devrais peut-être aussi nettoyer mes dents, maman! Bonne idée! Tiens ta brosse à dents! J'ai presque fini mon dessin! Le feutre ne marche plus! Si je le lèche, ça ne marche pas! C'est trop nul! Feutre de nul! Je vais finir mon dessin! Fais attention, chérie! Je vais prendre le rose! Il ne marche pas non plus! C'était moins une. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas terminer mon dessin. Mes feutres ne marchent pas. Ah, ça, c'est un gros problème. Je peux peut-être faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Maman va tout réparer. Vite! Prends une lingette nettoyante et replie-la sur elle-même. Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch. Dépose un coton-tige sur la lingette. Et enroule-le avec. Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre. Enroule jusqu'au scotch, puis coupe-le. Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton. La lingette va absorber l'encre. Un feutre vite fait, bien fait. Tiens, ma chérie. Trop bien! Je peux redessiner! Merci, maman! C'est trop fort! Je vais dessiner le soleil! C'est magnifique, mon ange! C'est trop marrant! Il faut qu'on y aille, chérie! Maman doit aller arrêter les méchants! Repose ce jouet! Il faut que tu mettes ton manteau. Merci, maman. Quelle grande fille tu es. Et lourde avec ça. Quelqu'un a bien mangé. C'est marrant, ce jeu, maman. Oh, je crois que j'ai une hernie. Allez, mets tes chaussures. Cheryl, reviens là. Oh, regarde-la. Elle est vraiment trop mignonne. Je pourrais peut-être lui passer les menottes. Non, ça ferait de moi une mauvaise mère. En même temps, bras sur le mur. Je suis innocent, madame. Je n'ai rien fait de mal. Ouais, bien sûr. Pas la première fois que j'entends ça. Je t'emmène au poste. Ça me donne une idée. J'ai juste besoin de ces empreintes. Je vais les découper en forme de cercle et les coller au mur. Salut, maman. On va faire un jeu. Tu peux mettre tes mains sur le mur? D'accord, c'est facile, maman. Regarde, j'y arrive. Et ensuite, maman? Ne bouge pas, chérie. Tu le fais très bien. Oui, tu as réussi. Tu as gagné. Ah bon? Cool! Allez, on y va maintenant. La la la! J'aime vraiment bien le ménage. Oh, on m'appelle. Oh, c'est trop gentil de sa part. Mamie va venir nous voir et elle a un cadeau pour toi. Tu as hâte? Youhou! Je suis là! Qui est cette belle grand-mère, hein?
Bonjour, entre. Ça, c'est mon beau petit garçon. Regarde ce que mamie t'apporte. Tu es en train de devenir un grand garçon. Je suis contente de vous voir. Alors, tu ouvres mon cadeau? Comment tu trouves? Oh! Oh non, ce n'est pas ça. Je suis sincèrement désolée, ce n'est pas du tout ça. Pas de problème, maman. Il les mettra en grandissant. Tu vois? Elles lui vont presque déjà. Elles sont superbes, regarde. Essaye un peu de marcher avec. Bon, elles sont peut-être un peu trop grandes pour lui. Je les aime bien. Attends une minute, je sais comment régler ça. Pose ton pied sur cette feuille, chérie. Je vais tracer le contour de ton pied. Voilà, c'est bien. Maintenant, je découpe l'empreinte. Tiens, maman, prends ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, je vois. Je veux des chaussures de cette taille. C'est pour mon petit-fils. Un instant. Je pense que celle-ci pourrait convenir. On va les essayer. C'est la taille parfaite. Je vais les prendre. Oh, merci. Passez une bonne journée. Alors, chérie, mamie a les bonnes chaussures cette fois. On les essaye. Pied gauche d'abord. On va serrer le scratch. Ça a l'air beaucoup mieux. Je suis trop contente. Comment c'est possible que quelqu'un ait autant de pop-its? J'apporte le reste. Je crois qu'ils sont tous là. Oups, j'ai failli oublier. Avec les autres, je vais le recouvrir. Je crois qu'on est paré. Tu peux entrer. Mais non, c'est quoi ça? Il y a tellement de pop-its. Tu vas avoir besoin de ces lunettes. Merci. Alors, trouve l'intrus. C'est parti. C'est génial! L'heure tourne. Vite, allez! Oh, c'est une course. Il doit être là quelque part. Allez, allez, allez! Je ne trouve pas. Attends, c'est bon, maman, je l'ai. Ça, c'est ma fille. Bien joué. Je suis trop fière de toi. Allez, on peut s'amuser. Tu es la meilleure maman. Personne n'a dit que c'était simple d'éduquer ses enfants. Ça pleure, ça crie, ça tire les cheveux. Mais ne t'inquiète pas, on a des astuces d'éducation qui vont te faciliter la vie avec ton petit. Trop intéressant. Un café et un magazine. Ce que je préfère pour me retrouver. C'est si calme. Oui! Mon pyjama! Je suis trempée! Tu as vu comme je saute? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es trempée? Tu as renversé ton café? Pourquoi t'as fait ça? Salut, ma chérie. Salut, maman! Au revoir, maman! C'est bon, respire calmement. Elle n'a pas... Ils n'ont pas... Oh là là! Bon! Je t'ai fait peur! Oups! Pas encore. Pourquoi as-tu... Elle est passée où? Un bon verre de soda avant de se mettre au lit. Ah! Non, ce n'est pas possible. C'était quoi ça? Elle approche. Pas ça! Je t'en prie, pas ça! Il faut que je me cache. Elle ne me trouvera jamais ici. Enfin tranquille. Je peux déguster mon bon soda frais. Je t'ai trouvé. C'était marrant. Salut maman. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je veux juste un soda. Maman? Maman, ça va? Oh, j'ai compris. Ne t'inquiète pas maman, je sais ce que je dois faire. Il me faut juste un ballon et des ciseaux. Découpe le haut et le bas du ballon.
Tire le ballon pour recouvrir le dessus d'un verre de soda. Et voilà, un verre qui ne va pas se renverser. Enfin propre. Ne bouge pas. Tiens, maman, je t'ai préparé un verre. Pour moi? J'espère que tu vas aimer. Je t'aime, maman. Ne fais pas ça. Arrête. Fais attention. Le verre ne se renverse pas. Dis donc, je t'aime aussi, ma chérie. Coucou, ma belle au bois dormant. C'est l'heure du petit-déj. Un bon pudding fait avec amour. Burk, je ne mange pas ça. Je m'en vais. Plein de bonnes choses. Elle est passée où? Reviens là. Ton pudding va refroidir. Arrête. Nana, tu peux pas m'attraper. Ici, derrière toi. Ça suffit. Mets ça. Un t-shirt? Je suis prise au piège. Je n'aime pas ça. Du bon pudding. Le petit avion arrive. Nom, nom, nom. Burk! Gentille fille. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Je reviens de chez le coiffeur. J'adore cette coupe. Qu'est-ce que... Il y a des traces sales partout. Oh! Elles vont par là. Oh non, la salle de bain. Il y a quelqu'un? Il y en a partout. Il y a quelque chose derrière le rideau de douche. N'aie pas peur. Je t'ai eu. Oh, salut maman. Oh, tu en as partout. Regarde pas. Du chocolat? Pfiou, j'ai cru que c'était... Donne-moi le chocolat. Mais c'est à moi. Donne-moi ça. C'est pas juste. Tu as mangé tout ce chocolat? Je sais. Mets du chocolat dans un bol. Fais-le fondre. Plonge une cuillère dans le chocolat fondu. Et ensuite, passe-la dans des vermicelles. Sucette au chocolat sur une cuillère. J'ai une friandise pour toi. Oh, dis donc! Tiens! Les deux, pour moi? Miam! Merci, maman! De rien, ma chérie! Maintenant, il faut que je nettoie tout ça! Rentrée de l'école! Maintenant, je peux m'amuser! Du soda et des frites! Pas mal! Le soda est mauvais pour tes dents. C'est dégoûtant. Tu vas manger sainement. Pardon? Non, jamais. Bois ce jus de carotte et mange cette carotte. Une carotte? Mais maman, je n'aime pas les carottes. Mange-la. Je veux des frites. Mais les légumes sont bons pour ta santé. Bon, plus de carottes pour moi. Attends une minute. Ces jouets me donnent une idée. Remplis le moule de jus de carotte. Mets-le au congélateur. Dispose des bandes de carottes congelées dans un emballage de frites. C'est prêt. Oh, chérie, le repas est prêt. Je ne veux pas de légumes, Burk. J'ai concocté une recette spécialement pour toi. Tada! Des frites? Miam! C'est trop bon! Elle ne saura jamais ce que c'est vraiment. Ah! Il me faut un grand café. Salut, maman! Tu veux un petit déjeuner? Céréales, céréales, céréales! Ok. Tiens. Je vais prendre un bol. Attends. Pas de bol. Oh,
Il faut que j'achète un lave-vaisselle. Je peux peut-être utiliser cette cuillère. Non. Burke, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que si je... Je sais. Un petit coup là et un coup là. Maman! Presque fini. C'est bon. Et maintenant, le lait. Un bol tout propre. Voilà, ma chérie. Dis donc. Merci, maman. Un énorme bol de céréales, c'est pour moi. Allez, j'y suis prête. Je vais y arriver. Perdu? Encore? Quoi? C'est toujours pareil! Qu'est-ce que ça m'énerve? Stupide jeu! Je le déteste! Prends ça! Ne fais pas ça! Laisse-moi faire! Tu as des problèmes de gestion de la colère. J'ai une idée. Tu ne peux pas me battre, Tina. Ah oui? Pas encore! Non! Il faut que je casse quelque chose. Pas cette fois. Hein? Oh, elle est en carton. Bien joué, papa. On refait une partie? Bien, Tina. À toi de continuer la séquence. Je suis pas sûre d'en être capable, mais je vais essayer. Il y a quoi après 5? Ah, je sais. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que... Non, non et non, ce n'est pas ça. Je n'en crois pas mes yeux. C'est comme ça. Tu vois, c'est facile. On a déjà vu ça en classe. Retourne à ta place. Qui peut le faire correctement? C'était le pire jour de ma vie. Je ne veux plus jamais aller à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Ces stupides chiffres étaient à l'envers. J'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas bon. Mais je pense que je peux faire quelque chose. Nous allons pratiquer les bonnes vieilles méthodes d'écriture. J'ai appris avec des grands maîtres, comme mamie. Ça ne va pas être facile, mais ça va payer. Qu'est-ce qui se passe? C'est partir. Fais le vide dans ton esprit. Ne fais qu'un avec le stylo et les chiffres. Regarde-les, ressens-les, intègre-les. Tu es les chiffres. C'est ça. Je peux le faire. Montre-moi. Le stylo est une extension de toi. Waouh! J'ai réussi! J'arrive pas à le croire. C'était génial! Je veux réessayer. C'est parti! C'est très facile! Mon travail est maintenant terminé. Attends! Impressionnant, pas vrai? Non. C'est horrible, Tina. Mais, je ne comprends pas! Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Mais je n'abandonnerai pas. Je vais faire un modèle de chiffres à partir de ce morceau de carton. Ensuite, il me faut de la colle. Je vais en mettre une petite quantité sur cette perle. Ensuite, je le collerai au-dessus du numéro 1. Je vais faire la même chose avec des perles de différentes couleurs. Je vais les placer autour des bords des chiffres. Jusqu'à ce que ça ressemble à ça. Tout va s'arranger, Tina. Waouh, c'est trop cool! Recule, papa. J'ai juste besoin de suivre la forme des chiffres. C'est tellement plus facile. Je ne peux pas me tromper cette fois. Et voilà, j'ai fini. Tu as maîtrisé les chiffres. Tu es prête. Je n'y serais jamais arrivée sans toi, papa. Ciao! Alors, Tina, tu veux retenter le coup? Vous allez être étonnée. J'ai déjà entendu ça. Il ne regarde pas. Je vais utiliser mon pochoir à chiffres. Ça lui apprendra. J'ai écrit les chiffres. Tu te moques de moi? Et on s'étonne que j'ai des cheveux blancs? Va t'asseoir. Tiens, je ne savais pas. Hein? C'est quoi? Ouch! Qu'est-ce qui se passe? J'y étais presque. Je vais prendre un autre chewing-gum. C'est bon. C'est tellement agaçant. Tina, pourquoi est-ce qu'il y a du chewing-gum partout? Oh, je vois. Tu essayes de faire une bulle. Laisse ton vieux père te montrer comment faire. Allez, c'est parti. Je te l'ai pré-mâché. Je rigole. Tiens, un nouveau. C'est très facile. Mâche le chewing-gum et fais une bulle. Waouh, c'est trop génial! Oups, j'ai été trop gourmand. Je vais recommencer. Regarde. Tu crois que tu peux y arriver? Je vais essayer. Waouh, ça fonctionne! C'est incroyable! À ton tour, Huggy. Oh, qu'est-ce que c'est mignon! Mais non, ça ne marchera pas. Oh,
c'est pas juste. Quoi encore? Ne t'inquiète pas, Huggy, ça va aller. Comment pourrais-je dire non quand elle fait cette tête? J'ai une idée. Je vais faire un dessin de Huggy Wuggy. Maintenant, je vais le découper et faire un trou dans la bouche. Ensuite, je dois le recouvrir de scotch. Il faut qu'il soit bien lisse et qu'il n'y ait aucun pli. Ça le rendra plus solide. Je fais une deuxième découpe de Huggy que je vais coller derrière. Ensuite, je vais la scotcher. Je vais mettre un ballon dans le trou. Et quand on appuie sur Huggy Wuggy, le ballon se gonfle. C'est très amusant. Tina, regarde. Waouh, je peux la voir. Il est trop bien. En plus, ça détend. Huggy est le meilleur pour faire des bulles. J'aimerais qu'il m'apprenne à le faire. Ok, encore une fois, regarde ça. Impressionnant, hein? Waouh, c'est la plus grosse bulle que j'ai jamais vue. C'est l'heure d'aller au lit, Tina. Fais de beaux rêves. Ah, c'est confortable. Il fait très noir. Et s'il y avait un monstre dans ma chambre? Tina, je vais t'attraper. J'ai besoin d'un nouvel ami. Qui est là? J'ai une lampe torche et je n'ai pas peur de m'en servir. Je suis sérieuse, je fais du karaté. Il n'y a personne. Je me fais peut-être des films. Bon, je vais essayer de me rendormir. Ça avait l'air tellement réel. Ça l'était. Et ce n'est pas fini. Je suis ton pire cauchemar. Qui a dit ça? Ça suffit. Papa! Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des monstres dans ma chambre. Ils sont partout. Des monstres, hein? Laisse-moi regarder. Il n'y a personne ici. Tout va bien. Mais je vais laisser la lumière allumée. Ouf, merci papa. Rendors-toi, ma chérie. Bonne nuit, papa. C'est le meilleur. Oh, j'arrive pas à dormir. La lumière est trop forte. Je ne vois qu'une solution. Papa! Qu'est-ce qu'il y a encore? La lumière m'empêche de dormir. Je comprends que ce soit un problème. Je crois que j'ai une idée. Tout d'abord, il me faut un morceau de carton et de la colle. Je mets de la colle sur un côté du carton. Comme ça, puis je le plie. Je veux faire une boîte. J'appuie légèrement dessus pour que ça colle. Ensuite, je vais prendre un couteau et découper une forme. Je fais une étoile. Je recommence plusieurs fois. Puis je vais couvrir la boîte avec du papier bleu. Je vais aussi découper les étoiles dans le papier. Et je vais le placer sur une ampoule pour créer une veilleuse. Ça devrait t'aider à t'endormir. Maintenant, il est temps de fermer les yeux. Merci, papa. À demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Attends. Chut, elle ne doit pas savoir que je suis là. Ça marche, mec. Ça, c'était bizarre. Hein? Où est passé le clown? Je dois être fatiguée. Lance la balle, chérie. Bien joué. Regarde ce que je sais faire. Elle tire et elle marque. Non! Qu'est-ce que tu as fait? Oh oh, la tirelire de maman. Tu crois qu'elle va le remarquer? Je pense que oui. Il faut qu'on la répare ou on va avoir des problèmes. Je vais ramasser l'argent. Un petit quelque chose pour la peine. Attends une minute. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai fait un trou dans ce gobelet. Et j'ai l'argent. Je vais le mettre dans le gobelet. C'était marrant. Et maintenant? Hein? Je n'avais pas pensé à ça. Ah, je vois où est le problème. Ouais, ça va pas le faire, papa. Mais ça peut-être. Qu'est-ce que t'en dis? On peut mettre l'argent là-dedans. Et c'est sûr, les voleurs penseront que c'est de la pizza. Tada! Oui, c'est une bonne idée. Mais je ne suis pas certain que ta mère apprécie. Il faut qu'on trouve autre chose. Oh, j'ai trouvé! J'ai découpé des cercles dans le carton à pizza. Maintenant, je vais les empiler et enfoncer un bâtonnet de bois à travers eux. Ça va faire un tapis roulant. Je vais les mettre de chaque côté de cette boîte. Et je vais les maintenir en place avec ces deux morceaux de carton. Je vais aligner notre bâtonnet de bois sur une bande de papier en gardant le même écart entre chacun, comme ça. Je vais enrouler le papier autour des cercles. Maintenant, passons à l'étape suivante. J'ai disposé trois morceaux de carton et découpé un trou sur un côté. Je vais pousser le tapis roulant à travers le trou. Il est temps de finir le cadre. Waouh, c'est si lumineux! Et il a même un visage qui sourit. Je vais mettre une roue sur le côté pour actionner le tapis. Et voilà, c'est terminé! Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, tu as fait une banque! On l'essaye? Je vais mettre la pièce juste ici.
puis tournons la roue. Ça fonctionne. La pièce est dans la banque. J'adore. Je pourrais faire ça toute la journée. On va la mettre ici. Maman va l'adorer. Maintenant, nous avons un match de foot à finir. Allons-y. Quand j'étais jeune, je jouais souvent au foot. J'ai encore quelques restes. Oh, oh, papa! Oh, ça a failli. Oups. Oh, bonjour. Oui, ça sent bon ici, hein? C'est un sandwich. J'en voudrais bien. Ok. Oh, de l'argent? Oui, environ ceci. Prends-le. Je voudrais un sandwich, s'il vous plaît. Voilà, tiens. Ça va être le meilleur sandwich que tu aies jamais mangé. Tu ne vas pas en revenir. Extra bacon. Regardez-moi cette beauté. Tiens, bon appétit. Waouh, ça a l'air délicieux, merci. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu high-tech? Tu es un robot, c'est ça? C'est génial! Ça commence vraiment à ressembler à une fête ici. Et dire que j'ai tout fait moi-même. J'espère vraiment que Madison va aimer. Oh, il faut que j'emballe ses cadeaux. Un vrai emballage de professionnel. Merci beaucoup. Oh, la voilà! Où est-ce que je mets ce truc? Ici, elle ne le verra pas. Joyeux anniversaire! Tu as un an de plus! Et c'est l'heure de le fêter! Youpi! Oh non! Son cadeau! Catastrophe! Où est mon cadeau? Ferme les yeux, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Rien de récupérable là-dedans! J'ai trouvé! Je vais transformer ça! Alors, j'utilise de la colle chaude à la base du carré, puis je place un morceau de carton sur le dessus et je refais la même chose. Ensuite, un morceau sur le côté. Voilà! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques éléments au milieu. Je fixe le bâton avec de la colle, puis j'ajoute ça au-dessus. Maintenant, je me fais tenir debout et je n'ai plus qu'à assembler plusieurs pièces comme celle-ci ensemble. Une petite touche personnelle. Et ensuite, les bonbons! Tous les bonbons préférés de Madison. Elle va adorer! C'est tout simplement le cadeau parfait! Ouvre les yeux! Joyeux anniversaire sucré! Waouh, c'est génial! Je veux des petits ours d'abord! Cool! Le rouge est ma couleur préférée! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps! Et maintenant un peu de chocolat! C'est fantastique! Laisse-moi t'aider! Dis-moi stop! Waouh! Tout ça rien que pour moi! Des bonbons pour mon petit sucre d'orge! Ouf! Je fais la pluie et le beau temps! J'adore, je ne m'en lasse pas! Youpi! Je ne sais plus quoi faire de mon argent! On dirait que j'ai un peu de nettoyage à faire! Attends, je vais t'aider ma chérie! Oh! S'il te plaît, arrête maintenant, j'insiste! Arrête, hein? Personne ne me dit ce que je dois faire! Oh bon sang! Ça suffit, Madison! Viens ici tout de suite, je t'ai dit! Gah! Pas si vite! Je suis trop vieux pour tes bêtises! Ouf! Oh, dommage que tu sois si vieux! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh! Une minute! J'ai une idée! J'ai juste besoin d'un peu de carton. Je pose deux chevilles au milieu du carré. Je place des ressorts au-dessus. Maintenant, je rajoute cette pièce sur le dessus, puis j'ajoute tous ces morceaux pour terminer. Ses yeux sont amusants, non? Tu rajoutes un peu de couleur pour l'esthétique. Regarde ce que j'ai fait, ma chérie. Wow. Tu aimes? Regarde comment ça marche. Ça va te plaire. Tu as faim, petite tirelire? Mange! Hein? Laisse-moi essayer! Incroyable! Youpi! Ça marche! Oui, en effet. Et regardez qui ramasse les pièces à présent. C'est beaucoup plus amusant comme ça, hein? Oui, je suis sûre qu'elle a faim. C'est tellement drôle. J'adore. Ah! Et voilà! Ok, les enfants, qui veut m'aider? Laissez-moi voir.
Quoi? Je suis le seul ici? Il n'y a personne d'autre? Ok, toi! Bien sûr! Je sais que tu peux y arriver! Je vais essayer! C'est tout ce que je te demande! Ok! Oh! C'est, un bon début! Pas d'inquiétude! Je vais juste faire quelques ajustements! Maintenant, essaye à nouveau avec ça! Si vous y tenez, c'est pas bien difficile! Vous voulez que je dessine les nombres par au-dessus, comme ça? Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr! Le 4! Et le dernier! On dirait que j'ai tout fini! Oups! Petite erreur juste là! Tada! Oh bon sang! Je déteste faire ça, mais… Oh! C'est pas grave! J'ai de quoi la faire changer d'avis! Pour vous, maîtresse! Oh! Essayons donc encore une fois! Voyons voir! Oh, je crois que j'ai trouvé une solution! Pas besoin de ça! Ça, ça devrait fonctionner! Je prends un long rectangle, je dessine les nombres d'un côté. Ok, me revoilà! Utilise ça! Oh, je n'ai pas besoin de ça! Laisse-moi ajouter un détail! Je vais d'abord améliorer un peu ce support. Regarde-moi ça! Et maintenant, les chiffres brillent, tu vois? Waouh! J'adore tout ce qui scintille! Très bien, essayons donc une dernière fois, d'accord? À toi de jouer! C'est magique! Ça va tout seul, n'est-ce pas? Maintenant, enlevons le pochoir! Et regardez-moi ça! Ces chiffres sont parfaits! Et tu sais ce que ça veut dire? 20 sur 20! C'est ça! Vous pouvez m'applaudir! Dis donc, je suis vraiment affamée aujourd'hui! Oh, eh bien! Maintenant, au boulot! Ou peut-être que je devrais nettoyer ça! Allez, la procrastination n'aide à rien! Chérie! Oh, te voilà! Oui! Il est temps de faire un peu de ménage! Sûrement pas! Je viens de le faire, tu vois! Oh. C'est ton tour, papa! Laisse-moi réfléchir! J'ai trouvé… Cette boîte en carton est sur le point de me… sauver! J'ai une idée géniale! Je coupe des morceaux comme ça, puis j'utilise de la colle chaude le long des bords. Ensuite, j'y attache ces morceaux. Une fois que tout est à sa place, j'utilise une pince à linge ici en bas. Et je place ces petites étiquettes pour les finitions. Regardez le résultat, les amis! Ça te dit une partie de flipper, ma chérie? Cool! Le perdant fait la vaisselle! C'est parti! Pourquoi tu ne commences pas, Madison? Vas-y! Vas-y, prends le virage! J'y suis presque! 20 points! Ouais! Ok, à mon tour! Ha! Oh non! On dirait que c'est à toi de faire la vaisselle, papa! Je n'ai pas eu de chance! Oh. Comment ça se passe, papa? De la place pour un plat de plus! Merci! Flipper! Mais où avais-je la tête? Ah, oh, c'est l'heure de faire une sieste! Qu'est-ce qu'on est bien! Attention, je suis venue tout déchirer! Je vais faire saigner vos oreilles! Madison, enfin! Il est bien trop tard pour du rock'n'roll! Regarde ce que j'ai appris! S'il te plaît, j'ai besoin de dormir! Oh, bien! Peut-être que si je ne joue pas très fort… Oh, la nuit va être longue! La la la! Dédicace à tous mes fans! Ouais! Wow! Oh, ça suffit! Oh. C'est la boîte dans laquelle la guitare de Madison est arrivée? C'est la réponse à mes prières! Enfin une lueur d'espoir! Et voici ma guitare en carton! Alors, là, elle est en deux parties. Je place de cette façon et j'utilise un pic pour faire des trous.
Puis j'utilise des cordes pour créer… Eh bien, des cordes. Et voilà. Je les scotche pour qu'elles restent en place. Maintenant, j'utilise de la colle chaude sur tout le dos. Et c'est fini! On dirait presque une vraie, non? Et voilà! Je t'échange ça contre ça, discrètement. Ça a été plus facile que je ne le pensais. Quel soulagement! Bonne nuit, ma petite rockstar! Oui! Oui! Papa! Julie! Regarde mon visage! Ok, je viens tout de suite, ne bouge pas! C'est bon, je suis là, j'ai la solution! On va utiliser cette seringue pour retirer ces vilains boutons de ton visage! Ah, ça ne marche pas! Mais je ne vais quand même pas sortir comme ça! Je n'ai pas dit mon dernier mot! Oh non, 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 non! Je t'ai eu! Non, je plaisante! On va essayer les baguettes cette fois-ci! Ne bouge pas et laisse-moi essayer ça! Mince, ça ne marche pas non plus! Je crois que c'est sans espoir! Pas question! On n'en a pas encore fini! Cette règle va aider notre cause! Ok, je les ai mesurées, maintenant c'est l'heure de la pince à épiler! Mon Dieu, c'est un vilain acné! Je déteste ma vie! C'est la pire chose qui pouvait m'arriver! Oui, c'est une énigme! J'ai entendu dire que tu avais des problèmes d'acné. J'ai la solution pour toi! Laisse-moi te montrer. Ces patchs contre l'acné vont nettoyer ta peau. Tu dois juste en mettre un sur chaque bouton. Au bout d'un certain temps, tu pourras les décoller et retrouver une belle peau. Oh, j'y crois pas! Mon visage est redevenu normal! Je t'en prie. Ouais! Je dois juste lui donner une petite poussée. Ouais! Je vais viser juste comme il faut. Dans le mille! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Non, je n'avais pas l'intention de le faire! Pas de pitié pour toi, prends ça! Hiya! Ah! Ouh! Regardez cette peluche! Il y a des nuages partout dans ma chambre! C'est quoi ce chantier? Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est un vrai bazar! Quoi? C'est toi qui as fait ça, Julie? Oh, papa! C'est ridicule! Je suppose que je ferais mieux de nettoyer ce désordre! Très bien, laisse-moi juste remettre ces plantes à leur place. Pourquoi y a-t-il du papier toilette partout? Ce n'est pas un jouet! Des livres par terre? Ce n'est pas comme ça qu'on traite les livres chez nous! Une voiture téléguidée? Sérieusement? Désolée, papa, je ne t'avais pas vu! Ah, je ne peux même pas lui en vouloir! Mais une seconde, j'ai une idée de génie! J'ai une voiture et une brosse de balai, je peux les assembler! Ces élastiques devraient faire l'affaire. Je vais avoir besoin de ces deux petites chevilles en bois et aussi de rubans adhésifs. Très bien, nous y voilà. La première étape commence avec un élastique. Je vais les mettre autour des roues avant de la voiture, comme ça. Ensuite, je fixe les chevilles sur le capot de la voiture avec du ruban adhésif. Il est temps d'ajouter la partie la plus importante, le balai. Je vais utiliser les élastiques de tout à l'heure pour tenir le balai afin qu'il ne tombe pas. Nous y voilà. La brosse du balai est maintenant bien fixée. Comme c'est rigolo d'en mettre partout. Bon, papa! Je m'en vais! Non, reste ici! Ça va! Regarde ce que j'ai! Un balai télécommandé! Il peut nettoyer toute la pièce! Regarde le fer! Quelle vitesse et quelle puissance! Incroyable! Et on dirait que j'ai fini! Waouh! C'est le balai le plus cool que j'ai jamais vu de toute ma vie! Il est élégant et... Oh! Mais où est-elle? Julie? Salut, papa! Je t'ai entendu crier, alors je suis venue tout de suite! Oh, tu es en sueur! Attends, je vais arranger ça! Voilà! Ah! Oui, il fait vraiment chaud aujourd'hui, mais j'ai des trucs à faire! Attends, Julie! Laisse-moi te tamponner le visage! Je suis content que tu aimes tes céréales! Oui, c'est délicieux! Oh, du Nutella! Je vais en manger un peu! Oh, tu t'en es mis sur la figure! Attends une seconde! Oh, quoi? Comment a-t-elle pu mettre autant de désordre? C'est si bon! J'adore le chocolat! C'est trop bon! J'ai envie de te faire un bisou, papa! Moi! Ok, ma chérie. Tu es la meilleure des petites filles! Ah, non! Quoi? Papa, aide-moi! Oh non! Elle a besoin de se moucher. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oh, ce rouleau de papier toilette pourrait être la solution. Quoi? Elle s'est mouchée sur ma chemise?
C'est vraiment dégoûtant. Elle empire toujours les choses avant que j'aie le temps d'agir. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Ok, j'ai ce rouleau de papier toilette. Je vais en dérouler une partie comme ça. Et maintenant, je vais l'enrouler de nouveau. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de ciseaux. Je vais juste couper ça en deux. Et voilà. Prenons ce morceau de carton. Je vais avoir besoin d'une règle. Et ce cutter, parce que je vais devoir faire des coupes. La règle servira de guide pour que je puisse faire une coupe droite sur ce carton. C'est parfait. Maintenant, je prends cette bande et je la coupe en quatre petits carrés égaux. J'ai besoin de cette petite paille parce que je veux enrouler le petit carré de carton autour. Ok, maintenant, il faut ramener le petit rouleau de papier toilette. Excellent! C'est un mini rouleau de papier toilette. J'ai ce petit support sur lequel je peux mettre le rouleau. J'ai quasiment fini. Ta-da! J'ai deux rouleaux de papier toilette. Et c'est pas tout. Ce sont en fait des boucles d'oreilles. J'ai hâte de les donner à Julie pour qu'elle puisse les essayer. Et voilà, chérie. Maintenant, tu auras toujours des mouchoirs en papier sous la main. Tu vois, tu as juste à tirer dessus. Oh, waouh! J'ai de belles boucles d'oreilles maintenant. Hé, il y a de la saleté sur mes chaussures. J'ai besoin d'un peu de papier de mes boucles d'oreilles. Ça devrait être suffisant. Et maintenant, je peux nettoyer ma chaussure. Voilà, retour à la normale. Achoum! Il est temps de sortir d'ici. Hé, il n'y a plus de papier toilette? Non, papa! J'ai besoin de papier! Quoi? Julie, tes boucles d'oreilles! Pense-y, tes boucles d'oreilles, Julie! Quoi? Mes boucles d'oreilles? Ah oui, je les avais oubliées! Je peux simplement utiliser leur papier à la place! Je vais mettre mon œuf juste ici sur la serviette. Ensuite, j'ai besoin d'une lumière et d'une horloge. La minuterie est réglée. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre et de regarder. Allez, vas-y, allez! Je sommeille. J'ai un peu fermé les yeux. Oh, mon œuf! Oh, non! Il n'a pas encore éclos! Cette salade a l'air délicieuse. J'ai hâte de la manger. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, je sais! Un œuf! Les œufs rendent tout meilleur, selon moi. Très bien, laisse-moi juste éplucher cet œuf. Hein? Il est vide? Maman! C'était mon œuf! Oh, c'est bon! Je vais le réparer. Là, regarde, ça va. Non, il est cassé! Tu l'as détruit! Tu as tué mon œuf! Attends, je peux le réparer. Je vais juste utiliser un peu de ruban adhésif. Là, tu vois, comme là, plus de fissures. Hein? Mais il est toujours cassé! Attends, Miles, nous avons d'autres œufs. D'autres œufs? Attends, on n'a plus d'œufs. Oh non! Je te déteste, maman! Tu as tué mon œuf! Attends, ne pars pas! Zut, mon Dieu, il est vraiment bouleversé. Une seconde, j'ai une idée. Je vais commencer avec cette moitié de boîte à œufs. Je vais mettre du film plastique sur le dessus. Ensuite, je verse de l'eau dans la boîte. Ok, ça a l'air bien, mais il faut autre chose. Désolée, Miles, j'ai besoin de ces oursons en gélatine. Ok, ces bonbons vont m'aider. Regardez ces jolis petits oursons tout mous. Je vais en mettre un peu dans chaque trou. Ok, et maintenant, je les mets au congélateur. Regardez-moi ces petits œufs de glace. Miles, regarde ce que j'ai fait pour toi. Waouh, il y a plein d'œufs. Ils sont trop cool. Ils sont tout doux. Je les aime beaucoup. Attends, regarde ça. J'ai un verre d'eau. Je mets un des œufs à l'intérieur. Tu vois, ce sont des œufs de glace. Et en plus, ils peuvent garder l'eau bien fraîche. Ok, j'ai mon horloge, ma lampe et mon bol. Allez, petit œuf, on y retourne. Donc, Miles. Oh, oh, c'est vrai. Oh mon Dieu, je suis en retard, il faut que j'y aille. J'ai ta jambe, maman. Miles, chérie, je dois y aller. Ah, je te tiens, tu ne peux aller nulle part. Oh, Miles, regarde ce que j'ai, des gâteaux. Des gâteaux? Oui, je les veux. C'est l'occasion de filer. Oui, des gâteaux, je vais les poser juste là. Oh, dois-je les manger maintenant ou attendre? Je ne sais pas, je vais les manger maintenant. Oh, mais si je les mange maintenant, je n'en aurai plus pour plus tard. Et j'en voudrai sûrement plus tard. Ok, je pourrai les renifler. Oh, ils sentent si bon. Je dois les manger tout de suite. Mais là, pas de gâteau pour plus tard. Je vais les poser, c'est trop dur. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, plus tard, maintenant. Oh, gâteau, 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 gâteau. Maintenant ou plus tard? Venez là. Asseyez-vous juste là, petit gâteau. Je vais réfléchir. Ce livre est très intéressant. Je vais continuer de le lire. Non, mes gâteaux! Pousse-toi, papa,
tu t'es assis sur mes gâteaux. Va-t'en. Comment tu as pu? Peut-être qu'ils sont encore bons. Je vais en verser un peu dans ce bol et voir. Oh, papa a cassé les gâteaux que maman m'avait offerts. Eh bien, je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, ils sont cassés. Attends une seconde, je peux peut-être arranger ça. Très bien, voyons si je peux faire une chose. J'ai besoin que ces biscuits soient encore plus écrasés. Je vais les presser. Voilà, ça devrait suffire. Je vais prendre un verre. Je glisse le paquet dans le verre et je le fais reposer sur le bord. Et maintenant, je vais verser du lait à l'intérieur du paquet. Je dois remplir le paquet bien jusqu'en haut. La dernière chose que je dois faire, c'est ajouter un bâton de glace dans le paquet. Et maintenant, je mets le tout au congélateur. Ok, ça devrait être assez. Je vais sortir le verre. C'est parfaitement congelé, donc c'est prêt à manger. Miles, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Waouh, qu'est-ce que c'est? Je vais l'ouvrir. Oh, il y a des gâteaux là-dedans. Je vais tout manger. Miam, miam. Oh, maman! C'est papa qui m'a donné ça. C'est Ali. Oui, j'ai de la glace maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je ne fais que goûter. Là, tu vois, je ne la mange pas. Elle est à l'ours. Oh, vous. Bien sûr, ma chérie. Il faut qu'on aille déjeuner. Ça fait tellement longtemps. Maman, mon lacet! Je vais devoir le faire toute seule. Que dis-tu de la semaine prochaine? C'est parfait. Attends une seconde. Tu viens, ma puce? Oh, où est-ce qu'on va? Oui, j'ai réussi toute seule. Maman, où est-ce qu'elle est? Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Maman, je m'ennuie. Oh! Oh, des bonbons! Oh non, le paquet est vide. J'ai envie de m'amuser. Waouh! Moi aussi, je sais tirer la langue. Regarde. Non, pas celle-ci. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh! Regardez. Oui, je vais mettre plein de pansements. J'en mets un là. C'est génial! On dirait des tatouages! J'ai l'air trop cool! Où est-il passé? Liam? J'arrive, maman! Regarde, maman, regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas sortir avec ça! Il faut retirer tous ces pansements! Aïe! Non, ça fait mal! Reviens ici! Nous n'avons pas le temps pour ça! Non, je ne veux pas! Je suis trop vieille pour ça! Liam, reviens ici tout de suite! Non, tu n'as pas le droit de me forcer! Assieds-toi et étends ton bras! J'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Tout ça sans douleur. Je vais tremper un coton-tige dans la vaseline, puis je le frotte sur le pansement. Enfin, je peux le retirer! Et voilà! Tu vois, ça ne fait pas si mal. Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Occupons-nous de ceux qui restent. Enfin, on recommence à voir ta jolie frimousse. Allez, cette fois, on est parti. Il m'en reste encore un. Chut, c'est un secret. Tu es la plus jolie des poupées. Voilà tes bonbons, mon chat. Dis-moi, tu n'as pas besoin de passer aux toilettes avant qu'on y aille? Non. C'est parti. D'accord, d'accord. Une petite seconde. Ouais, c'est trop rigolo. Youhou. Ah, le grand air parfait. Ne va pas trop loin, ma chérie. Oh, comme c'est joli. J'en veux une. Oh, je l'ai. Ça sent bon. Oh, oh. Je dois faire pipi. J'ai une envie pressante. J'en étais sûre. Bon, très bien. Suis-moi. Vite. Il doit bien y avoir un buisson ou quelque chose comme ça. Ah ah, c'est parfait. En plus, tu peux regarder le paysage en même temps. Non. Bien, laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé. Suis-moi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Papa, fais vite. La voilà.
Tu plaisantes, hein? C'est non! Bon, réfléchissons. C'est sérieux. Ça pourrait le faire. J'ai trouvé. Ne bouge pas. Je vais mettre la bassine dans le coffre de la voiture et ce couvercle fera office de lunettes. Voilà, les toilettes n'attendent que toi. Ouf, juste à temps. Je vais accrocher cette couverture pour que tu aies un peu d'intimité. J'ai encore une fois rempli mon rôle de père avec succès. Oh non! Hé! Hey, est-ce que tu pourrais aller plus vite? La 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 la! Eva! Rien de tel qu'une journée de farniente à laver la voiture. Phew! Qu'il fait chaud! Oh! Waouh! Vite, il faut que je rentre le ventre! Si tu avais vu ça! Oh, regarde! Personne ne peut résister à ma chevelure! Salut les filles! C'est une blague, n'est-ce pas? Trop drôle! Pourquoi ai-je l'impression qu'elle se moque de moi? Oh non! Mince! Oh, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Bon, je n'ai plus qu'à me remettre au travail. Je vais la faire briller comme un sou neuf. Elle est impeccable. C'est du bon boulot. Je suis plutôt content du résultat. Papa, je suis prête pour aller à l'école. Je t'en prie, ma puce. Monte. Oui, en avant, papounet. Et si on mettait un peu de musique? J'adore cette chanson. La 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 la. Oh non, ne mets pas tes pieds sur les fauteuils! Oh pardon, je ne l'ai pas fait exprès! Je viens tout juste de nettoyer la voiture! Je vais toujours danser avec mes pieds! Youhou! Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, ce n'est rien! Détends-toi! Rappelle-toi les cours de yoga! Oh tiens, il me vient une idée! Ce t-shirt est parfait pour éviter les traces de chaussures! Je vais le faire passer par-dessus l'appui-tête! Puis les tirer jusqu'en bas du siège. Voilà, à présent tu peux danser tant que tu veux, ma puce. Merci, papa. La 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 la. Et c'est parti. Chut, chut. Allez, du ballet. Viens voir, je vais te mettre un peu de répulsif. Oh non, Burk. Où est-ce que tu vas? Bon, moi j'aurais essayé. Tu peux pas m'attraper, nananana! Cet endroit est parfait pour manger mes bonbons. J'adore ce livre. Il est passionnant. Miam! C'est trop bon! Oh non! Partez! Laissez-moi tranquille! Maman, au secours! Hein? On aurait dit Liam? Bah, ce n'est sûrement rien. À l'aide! Prenez ça! Oh, oh non, elles sont en colère! Maman, il faut que tu m'aides! Je me suis fait attraper par les moustiques! Ils sont trop méchants! Ne t'inquiète pas, mon poussin, j'ai la solution! Il suffit de quelques gouttes! Je vais les déposer sur tes bracelets! Ça devrait éloigner les moustiques! Comme ça, ils ne t'embêteront plus! Allez, viens faire un bisou à maman! Oh, oh, je préfère les moustiques finalement. Et je suis de retour. Vous allez voir ce que vous allez voir. Prenez ça. C'est l'heure d'aller se coucher, ma puce. Voilà ton nounours. Merci, papa. Fais de beaux rêves, Eva. À demain. Oh non, il fait tout noir. J'ai peur du noir. Super! Maintenant, mes chakras ne sont plus alignés! J'arrive, chérie! Que se passe-t-il? Quelqu'un veut se battre? Je veux dire, tout va bien? J'ai peur du noir et de l'orage! Oh, tout va bien, ma poussinette! Ne t'inquiète pas! Tout va très bien! Je suis là! Et si je te lisais une histoire? Ferme les yeux! Il était une fois... Je crois qu'elle dort! Ne pars pas! Chut, je suis là. Calme-toi. Papa! Ouh! Ouf! J'ai eu peur. Enfin, quand même!
Je crois que j'ai une idée. Et je vais avoir besoin de ce gant en plastique. Ah, vous avez deviné? Je vais mettre le gant dans un verre en rabattant le gant sur les bords. Je vais prendre un autre verre que je remplis de riz. Ensuite, je vais remplir le gant de riz. Puis, je retire le gant du verre. Et enfin, je fais un nœud. Je pense que ça va marcher. Je vais le déposer contre son bras. Génial! Maintenant, je peux me glisser doucement vers la sortie. Aïe! Oh, mon orteil! Surtout, ne pas pleurer! Papa! Viens danser avec moi! Allez, viens, on va s'amuser! On pourrait faire un concours de danse! Tu me mets au défi! C'est parti! Je parie que tu ne sais pas faire ça! À toi maintenant! Ton père aussi sait bouger! Allez, admets que je t'impressionne! C'est bien plus difficile que dans mes souvenirs! D'après toi, qui est le meilleur danseur? Votez pour moi! Non, votez pour moi! Ou vous serez punis! C'est l'heure de me brosser les dents! Ouais! J'adore m'amuser avec le dentifrice! Oh non! Il en a mis partout! Bon, au moins il se brosse les dents! Mais il faut que je résolve ce problème! Je vais mettre des points de dentifrice dans ce pop-it! Regarde, chérie! Prends ton dentifrice ici, plutôt! Incroyable! Je peux me détendre avec mon thé? Maman! Maman, regarde! C'est aujourd'hui le grand jour! Oh, mon peignoir est sale maintenant! Bon, viens, mon chéri!